sont les avantages des services. Alors, tout de suite, je vous présente le panel. Je vous présente le panel des experts que nous recevons ce soir pour la deuxième partie de cette édition, comme il est de tradition, pour justement vous plonger dans, vous permettre de, à travers une grille d'analyse bien construite, vous permettre de comprendre sur un plan purement structurel et peut-être fonctionnel ce qui n'aura pas marché. Comment comprendre qu'une jeune fille dans cet état se retrouve plutôt aux mains de la population, aux mains des Camerounais? N'existe-t-il pas de cadre spécialisé pour la prise en charge de ce type de cas à travers le Cameroun? C'est la réflexion qui va mobiliser notre attention tout au long de cette deuxième partie. Et pour en parler ce soir, nous recevons à nouveau le docteur Jean-Pierre Gadieux, que nous considérons comme le héros. Docteur, bonsoir à nouveau. Merci bien. Merci Eric. Voilà, bon retour sur le plateau. Je signale que vous êtes chirurgien généraliste. Vous êtes microchirurgien, vous êtes traumatologue et plasticien. D'ailleurs, l'un des rares que compte la sous-région Afrique centrale. Merci de nous faire l'honneur d'être là, docteur. Merci. Et une fois de plus, félicitations pour cet exploit médical. Merci bien. Alors, juste en face de vous, le docteur Djengwe Enero. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et bon retour sur le plateau de Regard Social. Le plaisir est le mien, Eric. Et puis, avec des félicitations que je ne vais pas contenir, non seulement au docteur Gadieux qui fait des miracles, mais surtout, n'est-ce pas, à Rennes qui a accepté de sortir du cauchemar dans lequel elle était plongée. Je voudrais aussi féliciter Regard Social pour le fait de partager avec tous les téléspectateurs du monde entier, pour une fois, des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Parce qu'on n'est pas plus grand et plus noble quand on étale nos calamités, on est aussi digne et noble quand on célèbre nos performances et nos réussites. Je voudrais vraiment vous féliciter pour l'initiative. Merci docteur. Je signale que vous êtes psychologue clinicien et avec vous, nous comprendrons le profil psychologique de Rennes avant, pendant et après cette opération chirurgicale. Et puis le docteur Soustain Fouda, bonsoir docteur. Bonsoir, bonsoir Eric et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Je dois avouer que j'ai regardé cette émission avec beaucoup de frissons. Ce n'est pas chaque jour, en réalité, que la nudité humaine est exposée de cette manière. Et nous avons pu voir, en fait, que de la déchéance, l'on peut réhabiliter l'humain. C'est ça qui est le plus important. J'ai l'habitude de dire que la douleur de l'enfantement est génératrice de notre humanité. Et nous avons vu qu'à travers une grossesse, on est passé de l'étape d'une mort. Elle n'était peut-être pas clinique, mais elle était, puisqu'on a beaucoup parlé de spiritualité ce soir, on a vu une mort spirituelle, on a vu une mort physique qui, finalement, avec l'intervention de Regard Social, mais l'intervention aussi d'une paroisse qui a ressuscité ce que le pape Léon XIII a appelé en fait la doctrine sociale de l'Église, cette doctrine qui consiste à aller à la rencontre du plus pauvre, du plus pauvre d'entre nous. On a vu que vous avez pu mettre tout cela ensemble pour redonner espoir et surtout vie à mademoiselle Reine. Et vraiment, félicitations pour tout ceci. Je vous dis merci docteur Soustain Fouda. Je signale que vous êtes universitaire, vous êtes sur ce plateau dans votre poursuite universitaire, militant engagé des droits de l'homme, humaniste d'ailleurs. On le perçoit d'ailleurs dans vos publications, notamment dans la toute dernière publication, le tout dernier ouvrage. Je ne sais pas s'il est déjà sur la place publique, mais j'ai eu l'occasion de parcourir déjà sur quelques faits sociaux marquants de l'histoire du Cameroun pour dire que vous vous intéressez particulièrement aux questions de société et surtout aux questions humanitaires dans notre pays. C'est l'objet de votre présence sur ce plateau. Alors tout de suite, je rentre dans cette deuxième partie tout en signalant que Reine Massaga est restée avec nous sur le plateau. Vous n'avez pas perdu le sourire, non Reine? Ok, alors votre docteur, comme vous l'appelez très affectueusement, est assis à votre gauche. Alors, docteur Jean-Pierre Gadieux, de telles pathologies, c'est vrai, vous nous le disiez
en tout début de cette émission. Et puis, nous l'apprenions également à travers nos recherches. Ce sont des maladies qui touchent une femme sur 10 000 à travers le monde. Ce sont des pathologies assez rares. Mais sous les tropiques, c'est synonyme de mort, non? En charge nécessite une forte mobilisation financière. Synonyme de mort, oui, quand ça arrive au niveau où c'est arrivé. Et comme je vous l'ai dit, si on le prenait en charge au début, s'il y avait une prévision, je pense qu'elle n'en serait pas arrivée là. Et ça, je le répète toujours, il ne faut pas attendre toujours une évolution dramatique ou critique pour se présenter chez un bon gynécologue. Vous avez été certainement dans des hôpitaux, vous avez cité quelques-uns, mais je ne sais pas si au début vous avez vu un gynécologue. Et si un bon gynécologue avait été vu, peut-être avec l'infection, ça n'aurait pas atteint ce niveau. Je le dis aujourd'hui, je le répète à toutes les femmes, n'attendez, on ne s'amuse pas avec le sein. La femme est jalouse de ses seins. Tous les matins, pendant la toilette, elle doit regarder le miroir pour s'assurer que ses seins sont normaux, qu'il n'y a rien de pathologique, qu'il n'y a pas de nodule, qu'il n'y a pas de lésion. Au moins ici, contactez votre gynécologue. Il y en a plein au Cameroun et des meilleurs. Je le répète, je crois que je l'avais déjà dit ici. Et il ne faut pas sous-estimer. Nous n'avons peut-être pas tous les moyens qu'il faut, mais nous avons de très bons techniciens. Tout à fait. Merci. Et j'en sais quelque chose, puisque je reviens moi aussi de très très loin. Voilà. Alors, docteur Djengwe Enero, vous êtes psychologue clinicien, je le disais. Que dire du profil psychologique du sujet de ce soir, de Rennes, qui est parti des très fois, elle vous le disait d'ailleurs, lorsque nous sommes arrivés à son domicile, elle a opposé clairement une résistance. Il a fallu des négociations, etc. Et puis accepter d'exposer son corps, son intimité comme ça. Comment comprendre cela? Je crois que s'aventurer à décrire le profil psychologique de Rennes serait quelque chose de téméraire, d'autant que la réalité qui s'est imposée à elle est une réalité si imprévisible et si rare, n'est-ce pas? La fréquence de ce type de problème est telle que on ne se bâtit pas pour affronter ce type de situation, donc on n'est pas armé, n'est-ce pas, pour accueillir et gérer ce genre de choses. Il n'en demeure pas moins vrai que Rennes et toute sa famille se sont retrouvés confrontés devant quelque chose d'incroyable et d'excessif. Le sein, c'est un marqueur de l'identité, n'est-ce pas, pour la femme. C'est un marqueur de l'identité sexuelle aussi. D'ailleurs, Eric, je voudrais souligner que tout à l'heure, vous avez posé une question qui n'était pas dénuée d'intérêt et de sens au docteur Ngadieu par rapport à la compétence, n'est-ce pas, de Rennes sur ce plan. Est-ce que le sein de Rennes serait sur le plan érotique, fonctionnel? Donc ça veut dire que l'homme comme la femme accorde au sein une importance qui n'est pas que anatomique, n'est-ce pas, ce n'est pas que cet organe-là. Symboliquement, psychologiquement, c'est quelque chose qui est déterminant pour la survie de la personne. Et Rennes l'a dit, je suis devenu une autre personne, n'est-ce pas? Et pourtant, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Il n'y a que le sein, qui était déjà là, a pris des proportions incroyables, après a retrouvé des proportions acceptables, mais elle a toujours un sein. Mais cette transformation était si inacceptable, si intolérable, que son identité a été marquée par quelque chose d'aussi destructeur et dévastateur pour elle, pour sa famille, pour la communauté, au point qu'elle-même, elle s'est étiquetée de monstre, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est quelque chose qui est incompatible avec la sérénité, avec l'épanouissement et le bien-être de la personne. Mais Rennes, dans cette expérience qui, de toute façon, a effrayé, inquiété plus d'un, a eu la chance, une chance incroyable qui permet de ne pas sombrer. C'est que malgré la modicité des moyens matériels,
de sa famille. Et là, quelque chose comme une chambre exiguë, n'est-ce pas? Ça doit faire peut-être 9 mètres carrés, quelque chose comme ça. Son frère, son épouse, elle-même, son bébé, etc. Ben, ils ont fait montre d'une solidarité, d'une compassion si forte que Reine là-bas n'avait pas le droit, n'est-ce pas, de se laisser mourir parce qu'elle était portée. Elle était portée par l'affection, elle était portée par l'empathie, elle était portée par la solidarité, non seulement de cette famille, mais d'un entourage, n'est-ce pas, la concession, la paroisse, le quartier, et puis à travers Equinox Télévision, l'univers entier. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois que c'était son frère, que même les extraterrestres, n'est-ce pas, ont prié pour elle. Donc, cette solidarité-là est telle que la personnalité de Reine est imprégnée par des ressources, qui sont des ressources physiques, certes, mais des ressources psychologiques, des ressources spirituelles. Elle a donc traversé un cauchemar incroyable avec une vertu qu'on appelle la résilience. Autrement dit, quelque chose qui est suffisant pour vous tuer, pour vous détruire, mais finalement, vous vous y adaptez et vous en sortez. Vous en sortez vainqueur et Reine retrouve un cours normalisé de la vie. Et le plus difficile même maintenant, c'est de s'adapter à la nouvelle vie qui est la sienne. Vous voyez, elle se sent en danger dans cette nouvelle vie. N'est-ce pas? Elle a envoyé des messages aux potentiels braqueurs, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'argent, parce que là, c'est plus difficile de s'adapter à cette vie-là. Elle avait apprivoisé un peu, et c'est ça qui est complexe psychologiquement, elle avait apprivoisé cette monstruosité au point que le fait d'accéder à l'offre de soins de Dr Ngadjeu, c'est-à-dire lui enlever ce sein monstrueux, ben ça l'effrayait. Parce qu'il vaut mieux rester avec un monstre qu'on connaît que d'aller entrer dans peut-être un corps angélique à découvrir. Très bien. Alors, et vous, docteur Sosten Fouda, est-ce que si Regard Social n'avait pas existé, les cadres de solidarité nationale qui sont brandis par les politiques au Cameroun auraient pu contribuer à la prise en charge d'un tel cas, lorsqu'on sait par exemple qu'ils sont de plus en plus nombreux, ces patients indigents, qui finissent parfois dans des tombes, faute de ressources financières. Vous posez une question extrêmement complexe et la réponse la plus simple et la plus banale serait de dire non. Parce que les mécanismes de solidarité ne peuvent s'exprimer que dans l'espace public. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la solidarité mécanique est révolu aujourd'hui. C'est-à-dire que le frère va aider sa sœur, mais ça va rester dans cet espace nucléaire qui, en réalité, ne signifie absolument rien. Les mécanismes de solidarité aujourd'hui ont besoin de s'exprimer dans l'espace public. Et l'espace public est beaucoup plus vaste. Et c'est pour cela, justement, qu'une émission comme la vôtre est nécessaire dans l'espace camerounais aujourd'hui. D'abord parce que, en écoutant tout à l'heure le docteur, j'ai compris combien de fois nous sommes très peu outillés, notamment en matière d'épidémiologie. Et il n'y a pas aujourd'hui des centres qui permettent de savoir exactement que, par exemple, il y a un malade à Douala et qu'il y a un médecin dans la même ville qui soit capable de traiter d'un tel problème. Or, si on avait des groupes de recherche qui permettraient aux médecins déjà de communiquer entre eux, de pouvoir référer un patient à un autre, si on avait un centre un véritable développement de ce que l'on appelle la médecine publique dans l'épidémiologie, on saurait qu'à Douala, il y a ce médecin qui est là et qui peut faire un tel travail. Voilà autant de choses qui nous manquent dans notre pays. Je dirais aussi que l'organisation même de la profession de médecin au Cameroun souffre de ce mal-là. Ce mal est endémique. On devrait avoir dans notre pays ce que l'on appelle en fait une fonction publique hospitalière qui permettrait aux médecins de se connaître déjà entre eux. C'est important. Ensuite, aux infirmières, en écoutant les infirmières ici, j'ai compris qu'elles étaient en train de pratiquer en fait le béaba de la solidarité de famille et non une véritable solidarité médicale qu'on pourrait attendre. Voilà autant de petites choses, je ne vais pas monopoliser la parole là-dessus, mais je vous dirais que essentiellement, une structure comme la vôtre
Il existe à peu près une dizaine de chaînes de télévision dans notre pays et Regard Social est véritablement ce sur quoi on devrait s'appuyer pour une nouvelle solidarité dans notre pays. Même si cela nous a valu quelquefois des interpellations de part et d'autre, mais docteur Jean-Pierre Ngadieu, en un mot, le docteur Sosthène Fouda l'a dit, si la prise en charge de Rennes avait été efficace dès le début, on n'en serait pas là. Oui, Eric, le docteur Fouda a percé l'abcès. C'est l'absence de collaboration dans le cadre de la gestion de nos malades dans notre pays. Nous avons encore ça qui manque. Et tel est le problème qui existe d'ailleurs, soit avec les structures privées et les structures publiques, ou les structures privées entre elles, ou les spécialistes entre eux. Il y a encore cette incoordination. Nous espérons qu'avec le temps, ça viendra. Pour le moment, chaque chose se bâtit. Mais qu'est-ce que vous faites en tant que médecin, l'Ordre des médecins du Cameroun, les associations qui sont spécifiques à des corps médicaux, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas une part de responsabilité? L'Ordre des médecins se spécialise dans d'autres choses que dans l'appel des médecins à la collaboration, parce que ce sont les structures qui doivent collaborer. Ce n'est pas l'ordre qui va aller dire à tel, écoute, dans la déontologie, quand vous ne connaissez, quand vous avez une pathologie et vous savez que votre collègue est à côté, qui peut mieux le faire, mieux vaut l'envoyer à ce collègue qui le fera mieux. Donc ce n'est pas l'ordre qui va venir vous dire de l'envoyer ou de ne pas. Bon, l'ordre a d'autres préoccupations, mais ça se relève de la politique gouvernementale, hein, parce qu'il ne faut pas. Dès qu'on affecte un médecin dans une structure, il y paraît comme s'il était le nombril de la terre, hein, c'est-à-dire que tout tourne autour de lui, sa structure est la seule meilleure, l'autre à côté ne vaut rien. Et ça, c'est ce que nous partageons dans notre pays. Mais comme je vous ai dit, tout ira, ça va déjà de mieux en mieux, parce que nous recevons d'ailleurs des malades qui viennent de Yaoundé, envoyés par d'autres confrères, nous en recevons qui viennent même des autres grands centres hospitaliers, à partir des professeurs qui connaissent que tel spécialiste est à tel endroit, il peut agir dans tel cas ou tel autre. Mais le verre reste dans le fruit, docteur Sosthène Fouda, dans la mesure où le corps médical peine à construire, à élaborer cette solidarité. Quels sont les pas de responsabilité? Bah, les parts, le professeur, le docteur vient de le signifier, c'est-à-dire que c'est au gouvernement d'insuffler cette dynamique-là. On ne peut pas fonctionner dans un pays sans structure de recherche. Et c'est au sein des groupes de recherche que l'on détermine comment les hôpitaux peuvent collaborer. Regardez par exemple ce qui se passe à Yaoundé, où nous avons tout un quartier qu'on appelle aujourd'hui le quartier des hôpitaux. Qu'est-ce qui explique qu'en Gousso, on est trois hôpitaux alignés, l'hôpital pédiatrique, l'hôpital général et l'hôpital gynécologique. Qu'est-ce qui explique qu'on ait pu, alors que quand vous regardez le bassin de Yaoundé, quand vous êtes habillé massif et que vous avez un problème, vous ne pouvez pas accéder à l'hôpital. Voilà, maintenant, nous aurons d'ici deux jours la visite du président Hollande. Si vous avez un problème en Vombi, dans quel hôpital vous irez? Il faudrait peut-être vous électroyer pour vous amener dans un centre. Voilà autant de choses. Alors, la carte hospitalière du Cameroun devrait être redessinée et ensuite expliquée aux médecins, aux professeurs, qu'ils doivent s'entourer des équipes de médecins, des infirmières, des infirmiers, pour des sages-femmes, pour faire de la recherche, pour permettre justement une réelle collaboration. Vous ne pouvez pas, par exemple, savoir qu'ici, à Douala, nous avons un médecin qui est là complètement perdu dans une structure hospitalière, alors qu'il aurait pu s'entourer de 4, 5, 6 médecins avec lesquels il pouvait collaborer et qui permettrait justement ici d'avoir un centre pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un centre pilote? Un centre pilote, c'est quand même un centre de référence qui nous permet de savoir que par exemple, si nous l'avons ici au sein d'Equinox, si nous avons un médecin pour 100 malades, on regarde comment évolue
en réalité les pathologies qui peuvent se présenter dans ce centre-là. Et c'est comme ça que l'on va étendre, parce que c'est ce qu'on appelle en fait une évolution en champignon. Ce que nous n'avons pas dans notre pays. Et ça, c'est très important. Il suffit simplement qu'au sein du ministère de la Santé publique, nous ayons un ministre qui veuille réorganiser les services de santé dans notre pays. Vous ne pouvez pas aller dans un hôpital réel et où on vous dit qu'on commence à travailler à 7h du matin et qu'on ferme à 17h pour nettoyer l'hôpital. L'hôpital est une structure qui doit rester ouverte 24h sur 24 avec la même équipe et les mêmes compétences. Ce qui signifie donc que ces gens-là, ce médecin qui est en face de nous, a besoin justement d'avoir un statut particulier au sein de la fonction publique. Très bien. Alors, il nous reste une poignée de secondes. Mais signale la réalisation, docteur Enero. En 30 secondes, que devrait faire Rennes pour réussir et rester stable dans son nouveau statut psychologique? Je vais me permettre quand même de dire que la mission et la vocation de la médecine dans notre pays devrait se retourner vers les besoins de l'humain. Et l'exemple de Dr Ngadjo ici est là pour illustrer en quoi la médecine est plus noble quand elle s'intéresse aux vrais besoins et à la dignité de l'être humain. Revenu maintenant à Rennes, je dirais qu'il y a quelque chose qui s'est perçu depuis qu'elle est arrivée sur le plateau, c'est qu'elle est overwhelmed, donc elle est saturée émotionnellement parce que le trop-plein de tout ce qu'elle a vécu depuis toute cette trajectoire, il y a plus d'un an jusqu'à maintenant, est difficile à contrôler. Alors aujourd'hui, elle a besoin de se réapproprier, n'est-ce pas, ce corps-là qui a été malmené dans son schéma corporel, n'est-ce pas? Ça veut dire que son identité a été perturbée et il y a peut-être même des traces un peu traumatiques dedans, telles que des images intrusives de ce qu'elle a pu être à un moment peuvent revenir sous la forme de flashback, c'est-à-dire qu'elle se revoit dans cette monstruosité qui vient la hanter. Et ça, elle est déjà un peu guérie de ça par tout l'amour qu'elle a reçu autour d'elle avec son retour triomphal dans son quartier, par toutes ces prières qui se développent autour d'elle. Mais surtout, elle devrait cultiver sur le plan émotionnel et psychologique quelque chose qui va l'aider en s'insérant professionnellement peut-être aussi et accepter l'amour peut-être d'un homme qui, de toute façon, ne manquera pas bientôt. Très bien. Alors, vous l'avez dit, docteur Djengwe Enero, nous allons tout de suite prendre le bilan financier du traitement de ce cas. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Nous avons perçu combien de qui? Et comment avons-nous procédé à l'utilisation de ces fonds? Vicky Nemalé est là, elle représente la centrale de collecte des fonds de Regard Social. Vicky, bonsoir. Alors, que peut-on retenir? Oui. Concernant les contributions de notre conseil Rennes, nous avons reçu un montant de 4 657 855 francs. Toutes les contributions. Et les frais, quant aux dépenses, nous avons dépensé 4 505 000 francs CFA qui ont constitué aux examens à l'achat des poches de sang, aux frais d'opération, de la nutrition également. Donc nous avons dépensé 4 505 000 francs CFA et il nous reste en caisse pour le cas de notre sœur Reine 152 855 francs CFA pour Reine. Très bien. Voilà donc le reliquat qui sera traité dans les coulisses. Justement, de l'émission à la suite d'une concertation avec la famille. Oui. Il faut bien le rappeler, nous ne gardons pas les reliquats des patients. Effectivement, nous ne gardons pas. Donc, à la fin de l'émission, nous remettrons le reliquat de 152 855 francs CFA. Très bien. Mais ce ne sera pas ce soir. Donc, ceux qui attendent Rennes au quartier de Passy 2, attention, ce ne sera pas ce soir, ce ne sera même pas avant la fin de ce mois, puisqu'il faut que vous ayez le temps de vous refaire un nouveau profil psychologique, comme l'a dit le docteur Djengwe Enero, et ensuite, nous verrons. Alors, mesdames, messieurs, c'est le moment pour moi de vous faire juste une toute petite confidence. Je voudrais déjà commencer par remercier l'équipe de Regard Social.